et j'ai des nouvelles. Le deck. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça roule, en tout cas ça ride. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai pour Noël. On va commencer avec ce que je filme. Donc je vais vous montrer dans quelques instants avec quoi je filme. Petit indice, la GoPro, une GoPro. Et c'est la GoPro Hero 7 White. Maintenant, je vais vous faire plein de vidéos en POV. Donc je suis avec la GoPro Hero 7 White. Elle est trop stylée. La stabilisation est ouf. Et ça filme en 1080p. 60 fps, donc ce qui est relativement bien. Ah, donc ça c'est déjà le premier truc où je suis trop content. Voilà. Là, ils te fournissent la tâche avec. Il y a un petit sticker. Il y a une attache que j'ai déjà mise sur mon casque. Que vous allez voir dans quelques instants parce que oui, j'ai reçu un nouveau casque. Oh d'ailleurs j'ai reçu ça quand je suis rentré. Donc, voilà, hop. J'ai reçu un nouveau trépied parce que mon ancien trépied il s'est pété. Ça s'est cassé là. Au niveau de la branche. La branche est carrément une branche qui s'est carrément arrachée. Elle s'est enlevée toute seule. Parfait pour le tel. Mais la GoPro, voilà, c'est trop petit. Donc voilà. Donc là, voilà. Mon casque, je l'ai mis sur ma tête. Le nouveau casque, vous le trouvez stylé ou pas? Je l'ai mis en orange parce que orange, genre, en plus, c'est ma couleur favorite. Et en plus, ça, genre, c'est pas fait en signe des autres. J'ai mis l'attache de GoPro. J'ai mis plein de vidéos qui vont être trop bien. Lucky. Cody Flom, les gars. Le deck Cody Flom, incroyable. Il y a 180 jours garantis, ça c'est super bien ça. Donc voilà, il pourrait avoir des défauts de fabrication. Donc là déjà, il y a le casque. Et j'ai eu des nouvelles genouillères, exactement comme celles de l'année dernière. Elles sont trop bien. Je vous conseille à bas les genouillères rectes. Et là, du coup, ça c'est parce qu'on a... On a bien Halas Community, ils nous ont donné un grip gratuitement. Bien stylé ce grip. On va commencer par les poignées. Donc là, poignée Audi, une rouge, une bleue. Pour ça avec le deck Community. C'est la barre Community Titan. Mon truc bleu, vous inquiétez pas, c'est juste l'emballage. Donc déjà, là, on peut voir le frein. Avec les roues. Putain, on dirait qu'elle suit la ligne, incroyable. C'est un passage de la Bible, je crois. C'est un fou, Cody Flom. Là, regardez, là, c'est lui. Non. C'est lui qui fait un front Condor. Là, comme vous le voyez, c'est en deux pièces. Justement, parce que je peux pas la monter. Donc, en gros, je vous raconte l'histoire. En gros, j'ai tout ça samedi. Et là, j'ai une nouvelle fourche. Donc, l'ancienne. Mon ancienne fourche, c'était une Légion aussi, mais en ICS. Là, c'est une SCS HC. En gros, là, il manque. Un petit le truc pour le HIC quoi, genre il y a un petit chip et il me manque ça. Faut que j'attende mardi matin. Donc là on est lundi là quand je filme ça. Donc demain matin je vais aller chercher ça. Comme ça je pourrais le passer en HIC. Le truc c'est que la barre elle est en elle va être en HIC, donc c'est pour ça qu'il y a une fente. Toutes les barres communes ont une fente, il me semble. Donc là je vais la passer en HIC parce que HIC faut qu'il y ait une fente. Et dès que je verrai une fissure à la fente, eh ben je le ferai passer en SCS. Tiens, donc ça c'est mon ancien Kendama. Comme vous pouvez le voir, genre, il est bien défoncé et tout. Il est trop, mais genre il est encore bien. Donc ça, si vous commencez en Kendama, je vous conseille vachement largement lui. Ou même si vous commencez pas d'ailleurs. C'est un amateur chrome. Je m'en suis bien servi. Voilà. Donc je vais renouveler. Et j'ai eu celui-là. Donc ici, là, il y a ce que j'ai en plus du coup de... Enfin, le changement. Donc là-dedans, au bout de la ficelle, il y a juste une perle. Et au bout de celui-là, mon nouveau. Il est magnifique. Hein. Il y a un roulement. Il est plus léger. La ficelle est beaucoup plus longue, par contre. Regardez. Comme il est tout neuf et tout. Et lui, ça, regardez, ça, c'est... Là, c'est la matière. La matière, elle glisse. Et là, la matière, elle vraiment, c'est, je crois, c'est sticky paint, je crois. Attendez, faut que je vous valide quand même.
c'est des triple whip. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est des triple whip. Hein. Parti, un petit buttercup. Yes. Oui. Regardez ma vidéo jusqu'ici, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Silence, bye.